Hey, salut les gardiens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Overwatch. C'est vrai que ça va faire un petit moment que j'ai pas fait de vidéo dessus. J'ai Destiny en parallèle et franchement, j'ai toujours de nouveaux trucs à faire sur Destiny. Mais je voulais prendre le temps avec vous d'ouvrir mes petits coffres. Voilà, je vous en ai gardé 10 de côté exprès, mes 10 premiers coffres. Je les ai pas ouverts, je les ai mis de côté pour faire un petit opening. C'est vrai que j'y joue un petit peu à Overwatch, mais moi j'attends vraiment que le mode compétition arrive. Donc je vais monter tranquillement au rang 25 en attendant qu'il arrive. Et je vais surtout essayer de m'améliorer avec des persos qui m'intéressent. Donc on commence tout de suite par une ouverture du premier coffre. Alors que j'espère vraiment avoir des skins, hein. Franchement, c'est ce que tout le monde veut dans Overwatch. Cool, donc un petit tag pour Mei. Ouais, pourquoi pas, sympa, on active. Un petit tag pour Diva, sympa aussi, le petit pistolet laser. Le modèle du faucheur en vert, je suis pas très très fan, donc on va pas activer, mais au moins un modèle, c'est cool. Et un tag pour le soldat, ouais, je suis pas super fan non plus. Voilà, on est dans un jeu fun, il fait un peu trop sérieux, je trouve, comme tag. Ouvrons un deuxième. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Yes, du doré. Oh yes, trop cool. Donc une petite célébration de Chopper, impeccable, elle est cool. Torborn, ouais, pourquoi pas, un petit tag sympa. Zarya, putain, le modèle or, il est vraiment stylé. Franchement, il est vraiment trop stylé en steampunk comme ça. J'active. Mais je préférais celui de tout à l'heure, donc je laisse celui de tout à l'heure. Un autre petit coffre. Qu'est-ce qu'on a de beau? Du bleu, du bleu. Ah, quand même un petit modèle pour Ange, stylé comme ça en violet, même si un modèle que bleu, moi je le trouve vraiment sympa. On active un tag pour Pharah, pas mal. Allez, on active un icône de joueur, on active parce que j'en ai pas, hein, mais Paix et sinon on n'activerait bienveillance pas. sur vous tous. Paix et bienveillance sur vous tous pour Zenyatta. Zenyatta, je le joue souvent. Plutôt sympa, allez, on active aussi. Pour l'instant, content. 3 skins en 3 coffres, c'est cool. Oh, encore un skin, yes. Donc, un petit tag pour Hanzo. Oh, stylé le dragon. Un petit tag pour Makri. Non, je suis pas fan par contre. Un modèle ciel pour Bastion. Ouais, il est stylé. En plus, il va bien se confondre avec certains murs. Et Chacal, un petit tag, ouais, non, avec son arme, non, moi, je suis pas fan. Allez, encore 6. Oh, du violet, yes. Oh, avec Genji en plus. Une célébration de Symmetra. Ouais, stylé, en mode un petit peu égyptienne, comme ça. Un petit tag de Diva, non, pas trop stylé. Oh, l'emote de Genji. Oh, comment il est stylé, Genji. Oh, je sais pas vous, mais franchement, c'est un des persos les plus stylés. Et Chopper, l'emblème cochon. Non, je suis pas fan non plus du tout. Encore 5 coffres. Alors, que du bleu, que du bleu. Le tag chacal. Ouais, Vous sympa. avez vu ça? Vous avez vu ça sur Lucio? Non, je suis pas trop fan. Makri en sauge non plus. Je suis pas Une fan en harmonie vert comme parfaite. ça. Une harmonie parfaite pour Symmetra. Ouais, ça peut le faire. Correspond bien à son perso, je trouve. Allez, encore 4 petits coffres. Ouh! Le modèle de faucheur en sang. Ah ouais, classe. Ça, j'active direct. Soldat 76, non, pas très joli. Un petit peu d'argent, Et 150, toxique. ça fait toujours plaisir. Et sans cheat. Ah ouais, ça, c'est vraiment stylé. Toxique. Franchement, pour Diva, ça le fait grave. Enchaînons. Donc là, Genji en vert, c'est mort. Le petit tag, c'est mort. Un peu d'argent, ça fait toujours plaisir. Et le tag de Fatal, non. Pas top ce petit coffre. Encore deux. Que du bleu, malheureusement. La célébration, je l'ai déjà eue. Donc un peu Mon d'argent. âme est à la recherche de l'équilibre. Bof, à la recherche de l'équipe. Chopper, non. Pas top. Et on enchaîne avec le dernier coffre. Ouais, célébration pas mal. Une Sans réplique, une autre forfait. réplique. Bof, bof. Voilà.
Donc on a fait un petit peu le tour, je vais vous mettre un peu de gameplay, on va parler un petit peu d'Overwatch. C'est vrai que j'y joue, enfin je mets moins de gameplay sur la chaîne, mais croyez-moi j'y joue toujours en arrière-plan. Et je me fais vraiment la main avec les persos, je veux être sûr avant de vous en parler que les persos, que les explications que je vous donnais sont les bonnes, que les tactiques sont les bonnes. Et j'attends vraiment vraiment le mode de jeu compétitif. Pour faire un petit peu plus de vidéos orientées tactiques. Donc voilà, là on a fait une petite ouverture, toujours sympa de voir des skins tomber, surtout le skin sang là, il est vraiment vraiment stylé, celui de la célébration de Genji est vraiment stylé aussi, donc je suis plutôt content là, franchement sur Dicom j'ai eu des trucs sympas. Dites-moi vous ce que vous en pensez d'Overwatch, si vous y avez joué ou pas, si ça vous plaît ou pas, ce que vous attendez comme vidéo plutôt, moi c'est vrai que je vais mettre sûrement des tests et des astuces au niveau des persos, mais au niveau du loot, voilà, ça reste très limité. Plutôt le comment jouer les persos, et surtout j'avais plutôt une idée de quelles équipes construire, quels sont les combos intéressants et importants que je trouve vraiment sympa à mettre en place. Voilà, c'est mes petites idées que j'ai, je vais commencer à les déployer un petit peu, mais il y a toujours des signes en fond qui me prennent beaucoup de temps et que j'adore, que je surkiffe. Donc voilà, j'espère que les fans d'Overwatch m'en voudront pas, mais voilà, je sors les vidéos un petit peu comme je le sens et surtout avec l'envie qui vient. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas cette petite ouverture de Dicoffre, et à très bientôt sur la chaîne, bye bye, à très bientôt sur la chaîne, bye bye, à bientôt sur...